son oso. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal, mal normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Je veux te rendre heureuse. Donne-moi une chance de le faire. S'il te plaît, même s'il ne te reste que quelques jours à vivre. T'en dis quoi? Dis-moi oui. Dis-moi oui. 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 Quoi? Oui. Oui? Oui. Oui, je vais épouser mon poney. Ouais. Allez, allez. Aïe, j'ai des vertiges. Je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir. Elle m'a dit oui. C'est oui. Elle m'a dit oui. Oh, mon poney. Vive les amoureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, soyez plus prudente. Ah, vous êtes magnifique, juste magnifique. Non. Non, je ressemble à une meringue. Il me manque simplement la fraise sur la tête et c'est bon. Non, non, non. La suivante, oui. Oh oui, bien sûr. Mettez-la, mettez-la. Qu'en est-il de celle-là? Non. Non? Non, 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 je ressemble... Je ressemble à une nouille. Voilà à quoi je ressemble. Non, suivante. Oui, s'il vous plaît. Détendez-vous. Ah, je veux celle qui se trouve là-bas, s'il vous plaît. Ah non. Écoutez-moi, maintenant je veux celle qui se trouve là-bas. Ah, celle-là est belle, je la veux. D'accord, oui, un instant. Oui, et aussi celle-là là-bas. Elle ne me va pas. J'ai changé d'avis. Je veux une autre robe. Je te disais justement, nous allons beaucoup dépenser. Macarena va dépenser une fortune pour ce mariage. Ah, mais ta petite amie est la plus folle de toutes les folles réunies ensemble, parce que si elle continue comme ça, elle va finir ses derniers jours. Non pas dans un hôpital, mais plutôt dans une maison de fous. Pourquoi tu dis tant de bêtises? Macarena se porte mieux que jamais. Tu le dis seulement parce qu'elle va mourir. Tu es si odieuse quand tu le veux. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, les chiens laissent leurs crottes partout et j'ai... Bravo, c'est ce qu'on appelle de la chance, cool. Mais écoute, allons se concentrer sur la chose la plus importante. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas l'emmener? Non, quoi Miami, Miami, quoi Miami? Nous allons 2 mois à Paris pour notre lune de miel. À Paris, que tout le monde le sache. Oh oui. Ah bien, d'accord. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire à Paris pendant 2 mois? Je veux dire, tout ce temps en lune de miel, c'est tellement rassasiant. Tu veux vraiment que je t'explique ce que nous allons faire à Paris pendant 2 mois? Non, non, si non, tu non, veux, je peux non, te faire merci, un dessin. Merci, laisse tomber. Allons, dis-moi plutôt comment tu vas faire pour le boulot. Eh bien, je vais aller voir le grand patron tout de suite pour lui demander un congé. Je veux prendre un congé de 6 mois, afin que je puisse être auprès de ma bouboule avant qu'elle... Attends, avant qu'elle meure, c'est ça? Ah, tu es odieuse. Ah, non.
qu'avec celle-là, je ressemble à une crevette portant une nouvelle carapace. Regardez. Regardez-moi ça. Il est bien certain qu'avec celle-là, je vais m'emmêler et je vais tomber, c'est clair. Imaginez-vous le jour de votre mariage avec un bras cassé. Vous voyez, je suis certaine que j'ai de l'ostéoporose. Je ne bois jamais de lait parce que je suis intolérante au lactose. Une autre. Eh bien, j'en ai une, mais c'est la dernière. Ah, très bien. J'aimerais la voir. Cette robe est un petit bijou. Elle n'est pas comparable à celle que vous avez essayée. C'est un modèle exclusif et unique au monde. Et elle coûte très, très, très cher. Doucement, j'ai la peau sensible. Après, tu laisseras une ecchymose. Ah, mais c'est une surprise. Regarde, voici la demande. De prêt que ta petite amie a fait. Est-ce que c'est toujours une question d'argent? Avec cet argent, j'allais m'acheter un appartement d'environ 40 mètres carrés dans le meilleur endroit de la ville et le décorer de façon élégante. J'y mettrai un canapé comme ça. Tout est bon, allons changer le montant. Et pourquoi? Ça va augmenter de 40%? Eh bien oui, pour qu'elle puisse acheter un appartement de 70 mètres carrés, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème tant qu'il nous reste un peu de cet argent. Quand elle va mourir, quand elle passera à une vie meilleure et qu'elle montera au ciel avec son manteau divin comme les anges... C'est bon, Rosalvira, arrête de parler comme un perroquet, tu sais quoi? Écoute, mets ça à 15 années pour que les 5 premiers versements soient une blague. Juan oui. John, le patron peut te recevoir. Merci, Bertila. Et souhaite-moi bonne chance. Bien, on verra. Ah, le petit coup de pied. Doucement, doucement, doucement. Aïe! Vas-y. Ah, je vais avoir une ecchymose sur mon postérieur. N'attends pas trop longtemps. Tu es très généreux. J'aime ça. C'est parfait! C'est parfait, j'adore! Ça me va parfaitement! Oh, vas-y, mets la musique, s'il te plaît! Oh, allume-la! Allume-la! Oh, ça me va parfaitement! Oh, continue comme ça, augmente le volume! Le volume, oh, c'est magnifique! Elle est juste sublime, n'est-ce pas? Oh, elle est spectaculaire! Regardez! Oh, c'est magnifique! Regarde comme c'est beau! C'est juste parfait! C'est fou, j'adore! Je la prends! Ceci! Quand est-ce que tu es arrivée? Et pourquoi tu pleures? Oh, Macarena! C'est que tu es si belle! Tu es spectaculaire! Tu ressembles vraiment à une princesse comme dans les films, tu sais! On dirait une jolie poupée! Oh, c'est pas vrai! Je peux pas le croire! J'arrive pas à croire que tu vas te marier! Aïe, Ceci, je pensais que tu ne l'aimais pas. Oh, bien sûr que si, mais en te voyant comme ça, ça m'a rendue sentimentale. Arrête de pleurer, d'accord? Je donne envie de pleurer et je ne peux pas pleurer à cause de mes lacrymos sacrés, tu le sais, ça. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez la prendre ou pas? Bien sûr que je vais la prendre. Vous voulez que je répète le prix? Écoutez, écoutez, doucement, détendez-vous, restez calme parce que je suis en mesure de payer, mademoiselle. Bien sûr que je peux me le permettre, allons-y. Quoi de neuf, quoi de neuf? Comment ça s'est passé? Comment penses-tu que ça s'est passé? Avec la chair de poule littéralement, comme un chien à la messe. Oh oui, mais pourquoi? Le patron ne peut pas garder le travail pour moi pendant 6 mois. Si je ne pars pas pour Miami tout de suite, alors, je me retrouverai sur la longue liste des chômeurs. Dans ce pays, c'est aussi simple que ça. Le petit poney au chômage. Non, alors ça veut dire qu'on ne va pas à Miami. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 6 mois, ni jamais, comme c'est super. Jamais, jamais. Rosalvira, tu peux prendre ma place? Je t'ai déjà dit que j'ai démissionné hier. Le patron m'a aussi dit que tu partiras d'ici 15 jours. Alors va donc le voir rapidement. Et lui dire que tu restes à la banque parce qu'ils ont besoin de toi. Si on te donne le poste à Miami, hein? Non, mais qu'est-ce que je ferais là-bas sans toi? Non. Écoute, c'est un avantage, voyons. C'est surtout une façon d'aller de l'avant. Pour qu'on ne se perde pas tous les deux. Pour que l'un d'entre nous réussisse et que nous puissions faire équipe. Et puis je viens juste vers toi. Tu penses que c'est aussi simple que ça? Non, ce n'est pas si facile. À la fin, oui, ça sera facile. Pourquoi ça ne s'est pas produit avant? Tu as le boulot, tu vas de l'avant, tu t'habitues aux choses, tu profites bien. Et comme tu le sais, nous nous aimons. Et puis je débarque avec l'argent à Miami. Ce sera le cas? Oui. Pense positivement, comme le dit René Mantecote dans ses conférences. Dis oui. Oui. Oui, un esprit positif, exactement. Oui. Oui. Doucement, doucement. On va nous entendre. Alors, sois prudent. Je vais y arriver. Oui, exactement. Je vais aller vérifier l'endroit. Exactement. Et tu viendras me rejoindre. Je mettrai longtemps à venir pour que ça ne te bouscule pas. Je vais te recommander au patron. Allons.
Eh, mais tu ne fais pas tout ça pour voir te débarrasser de moi et tout, c'est pas. Mais comment tu peux dire ça, Luz Elvira? Hein? Tu m'offenses quand tu dis ça, ne dis pas ça. Je ne suis pas si stupide, c'est clair. Non, non, non. Eh bien, ma robe sera prête quand? Ce qui se passe, c'est que si vous ne l'enlevez pas, ce sera très difficile, n'est-ce pas, pour faire les retouches. Je ne veux pas l'enlever. Et si je restais comme ça jusqu'à ce que je me marie? La vérité, c'est que je trouve vraiment dommage de l'utiliser qu'une seule fois dans la vie. Oui, une fois, c'est vrai. Une seule fois. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est dommage. Je peux avoir votre carte de crédit, s'il vous plaît? Voyons voir. C'est ça le prix de la robe? De la robe, de ce morceau de tissu. Je veux dire que c'est une belle robe, qu'elle te va à merveille, que tu ressens même à une princesse avec, mais c'est que tu dois comprendre, Mona, qu'avec cet argent, tu peux t'acheter une voiture, et pas nécessairement une voiture chinoise. Ceci. Écoute, quand je ne serai plus de ce monde, je vais te laisser la robe, c'est bon, afin que tu puisses la vendre ou faire ce que tu en veux. Qu'en penses-tu? D'accord? Voilà. Commencez par celui-ci, puis nous allons continuer avec l'autre, puis avec celle-là. Enfin, là aussi, et finalement, ça sera bon. En 24 versements, s'il vous plaît. Le reste, je vais payer en liquide quand je viendrai récupérer la robe, parce qu'à ce moment-là, je suis certaine que j'aurai déjà le prêt. C'est que je ne peux pas croire à quel point la Macarena est égoïste et insouciante. Chut, non. S'il te plaît, tais-toi. Tu sais, je le pense aussi, maman. C'est qu'elle connaît la situation dans laquelle nous sommes et elle va dépenser tout cet argent qu'elle est sur le point d'emprunter à la banque pour un mariage. Tu te rends compte? Pour un mariage? Ah non. Et qui plus est, un mariage qui va durer combien de temps? Et nous qui travaillons si dur, transpirant tellement. Ah. C'est ce que je pense qu'elle dirait. Oh, je leur laisserai la maison et ils seront reconnaissants à jamais. Mais dis-moi une chose. Comment allons-nous faire pour entretenir une si grande maison? Comment, hein? Si elle n'est pas là? Et ta sœur va vivre avec son mari et acheter l'appartement. Comment vont-ils nous aider? Comment on va faire? Dis-le-moi. Ah, ma chérie. Alors, tu n'es pas fâchée contre moi parce que je ne t'emmène pas à Paris, n'est-ce pas? Comment tu peux penser ça? Je jure que je ne le suis pas. Regarde-moi, tout ce qui m'intéresse actuellement, c'est d'avoir un travail, tu sais. Oh, ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tout soit vraiment bien organisé avant que je ne parte dans l'autre monde. Ne t'inquiète pas pour ça, voyons, tu dois être contente. Dis-moi, est-ce que t'as déjà trouvé une date pour le grand jour? Non. Eh bien voilà, je pensais parler au prêtre pour voir si c'était possible de le faire dans 10 jours. Dans 10 jours? 10 jours? Macarena, dans 10 jours, aussi rapidement? Si rapide? C'est très rapide. Alors, dis-moi, tu penses vraiment que j'ai du temps à perdre, Cici? Hein? Eh bien, non, oh, bien attends. Sûr que non. Regarde cette rougeur. Regarde-la, elle est moche, n'est-ce pas? Je l'ai depuis la prise de sang qu'ils m'ont faite hier. Tu penses que je devrais aller chez le médecin? Non, ce n'est rien de grave. Non? Mais qu'est-ce qui va se passer si elles se propagent sur l'ensemble du bras et ensuite sur l'autre et puis sur le visage? Que je me rends en mariage rempli de rougeur? Ah, Macarena. Tu sais quoi? Je pense que ces personnes du laboratoire m'ont transmis une infection. Non, moi je pense que ce sont les nerfs, le stress. Oh, le stress. Ah non! Quoi? Je sais, je vais appeler le docteur Pulido pour voir si je suis allergique ou pas. Et si c'est encore un de ces symptômes qui progresse déjà à pas de géant, t'imagines? C'est possible? Oui. Oh non, dis pas ça. Ah! Et je veux aussi lui demander de te donner du travail. T'en penses quoi? C'est vrai? Oui, vraiment. Tu verras. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai écrit? Ah, tu ne penses pas que c'est génial pour les troubles cardiaques? Oui, c'est très bien. Quand ça apparaîtra dans la revue médicale? Dans 15 jours. Très bien. Nous allons devoir l'envoyer au Mexique pour qu'il soit publié. Dans 15 jours, nous boirons de la tequila. Comment? Oui. Vérifie tes courriels. Tu as les itinéraires d'absolument tout. Les hôtels et les appartements. Non, mais un instant, Alejo. D'après ce qui est écrit, on doit y être dans moins d'une semaine. C'est exact? Non, je ne peux pas partir si vite. Tu sais que je suis engagée envers l'université pour animer les conférences pendant un mois. Et je ne laisserai pas mes patients. Tu me connais, n'est-ce pas? Je comprends parfaitement. Faisons quelque chose. Je vais m'en aller dans une semaine et lorsque tous les problèmes seront finalement résolus, tu me rejoins au Mexique. Puis tu seras là-bas pendant 15 jours, seul et heureux. Et quel est le problème? Il n'y a aucun problème, c'est que je pense que tout ça est complètement absurde. Bien sûr que ça ne l'est pas. Bien sûr que ça l'est. Tu laisses ton père dans un état physique épouvantable et très déprimé.
Tes souris, tes recherches, Camilla, la clinique... c'est une urgence économique, merci de comprendre. C'est soit ça, soit la perte de la clinique. D'ailleurs, on en a déjà discuté et on était pleinement d'accord. Je suis toujours d'accord, j'ai seulement l'impression que tu vas un peu trop vite cette fois. Il me semble aussi difficile que tu quittes ton père. Tu ne sais pas ce qui peut se passer pendant Camilla, ton absence. Camilla, si tu essaies de me culpabiliser ou alors de me manipuler à propos de mon père, tu te trompes. Je ne te manipule pas, je ne veux pas non plus que tu te sentes coupable. Mais nous pouvons obtenir cet argent que nous devons à Madame Léonore d'une autre manière. Elle ne veut pas attendre très longtemps. En plus, je dois profiter de l'occasion pour commencer à collecter de l'argent. Est-ce que tu es en train de m'imiter? Ah, désolée. Désolée. Docteur, Madame Léonore est arrivée et elle vous attend. Docteur, je vous appelle l'ascenseur. Docteur, jusqu'à ce que la nouvelle secrétaire arrive, je suis là si vous avez besoin de quelque chose. Parfait. Non, ça ne peut pas être Macarena Gonzalez. 10 appels manqués. Écoutez, monsieur, faites-moi une faveur et répondez à cette femme. Dites-lui que je suis très occupé avec un patient. Je ne pense pas que ça soit une urgence, mais s'il vous plaît, demandez pourquoi elle a besoin de moi. Si elle doit prendre un rendez-vous, dites-lui oui, que docteur, ce n'est pas possible entendu, avant un docteur. Mois. Oh, docteur, attendez un instant. Et si c'est une urgence? Si c'est une urgence, vous me le faites savoir. Mais ne vous laissez pas berner, cette femme est capable d'embobiner quiconque. Bien sûr que oui. 10 appels manqués, c'est terrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce médecin ne veut pas me répondre. Et si c'était une urgence? Ah, mais je ne veux pas laisser le message. Ah, comme on parle de loup. Allô? Mademoiselle Gonzalez, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Vous m'aviez proposé votre aide avec mes papiers pour la chimiothérapie. Madame Béatrice, comment allez-vous? Oh, très mal. Je suis désespérée. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et si ce n'est pas vous, je ne sais pas vers qui aller. Bonjour. Bonjour. J'arrive. Ma fille. Ma fille. Ah, écoute, Azucena, toi et moi savons très bien que je ne suis pas ta fille. Alors laisse le spectacle pour un autre jour. Il n'y a rien à manger ? Je sais que je suis vieille, moche et maladie. Ceci, mademoiselle. Mais je veux toujours continuer à me battre pour vivre. Ah, Macarena, si tu voyais comment je me sentais. J'étais beaucoup mieux avec mon traitement. Mais oui, je ne veux pas mourir de si tôt. Je veux jouir de mes petits-enfants pour au moins quelques années de plus. Non, mais vous n'allez pas mourir. Alors, ou du moins, vous n'allez pas mourir seulement parce que le docteur Bererano et le docteur Romero l'ont décidé ainsi. Non. Allez, expliquez-moi un peu ce qui s'est passé, Madame Béatrice. Écoute, la chose est très simple. Je suis allée là-bas où je travaillais pour réclamer l'autorisation de ma chimiothérapie. Et ton amie Pilar m'a assistée. Mais Mademoiselle Pilar m'a dit que tu n'y travaillais plus et qu'ils avaient refusé l'autorisation. Surprise! Je suis allée voir le docteur Romero pour m'aider. Mais... Ou pour écrire une lettre exposant mon cas. Croyez-moi, ça me fait vraiment très mal, madame, d'avoir vous le dire, mais je ne pense pas que ça vaut le coup de continuer à essayer. Et ce fut une surprise quand le médecin m'a dit qu'il n'y a aucun remède, que j'étais en train de mourir. Je sais que c'est difficile à comprendre. En réalité, chaque jour avec la chimiothérapie, je me sentais mieux. Mais au fond de moi, je ressentais une légère amélioration. Macarena, appelez-le comme vous le voulez. Instinct de survie ou une simple intuition. Mais je voulais m'en assurer, alors je suis allée chez un autre médecin. Et il m'a dit qu'il ne comprenait vraiment pas pourquoi ils avaient arrêté le traitement. Parce qu'en réalité... Ça s'améliorait vraiment. Attendez, mais là, je ne comprends pas très bien, Madame Béatrice. Ah, c'est simple, écoute. Je suis allée là où ils me traitaient, d'accord? Et on m'a dit que là où tu travaillais, oui, ils avaient facturé le traitement. Comment? Ah. Merci. Oh.
Regarde, ma fille, c'est tout ce que tu aimes manger, du chocolat chaud avec du pain de maïs et du fromage. Je sais que la façon dont je fais le pain de maïs te manque et que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Écoute, Azucena, je n'ai pas de temps à perdre. Tu veux m'aider ou pas? Tu sais que je ne peux pas t'aider, ma fille, parce que l'argent n'est pas à nous. Il n'est pas à toi. Je dois agir selon la volonté du testament de ton père. Le testament stipule qu'il appartient à la fille qu'il a eue hors mariage. Monsieur, voici votre demande. Le médecin doit la remplir et ensuite vous me la rapportez. Merci, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. C'est pour l'autorisation de certains médicaments. Macarena, je suis occupée actuellement. Non, non, Pilar, s'il te plaît, ne raccroche pas le téléphone. Je te jure que c'est une urgence, vraiment, vraiment. Ah, tu sais que Berano n'est pas sur le téléphone. Eh bien, je sais, mais alors va aux toilettes, isole-toi. C'est vraiment une urgence, Pilar. Écoute, c'est peut-être la dernière fois que tu entends ma voix. Restez dans le profil d'attente, je reviens. D'accord, Macarena, je t'écoute. Tu es malade, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Macarena, mais écoute-toi. Est-ce que tu réalises ce que tu me demandes? Tu es devenue folle? Tu es vraiment malade, mais dans ta tête. Mais nous ne savons même pas si cette fille que nous ne connaissons pas est vivante ou morte. Tu ne vas pas me convaincre. Alors tu m'aimes autant? Je ne t'aime pas, je t'adore. Et tu sais que je rêve que tu retournes à la maison parce que je veux faire partie de ta vie. Est-ce que tu dis toujours que je vis à Londres? À Londres, à New York. Je ne me souviens plus de ce que j'ai inventé. Tu ne me pardonneras jamais. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que j'étais adoptée quand j'étais encore enfant? Pourquoi tu as dû attendre que je sois adolescente juste pour mes 15 ans? J'avais tellement de rêves que mon cousin était complètement saoul, il l'a dit devant tout le monde. Tu penses vraiment que ça ne m'a pas fait de mal? Sincèrement, tu le penses vraiment? Eh bien, parce que tu imagines que ce n'était pas la pire humiliation au monde? Non, non, non. Être adoptée ne veut en aucun cas dire humiliation. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Eh bien, ça n'a pas d'importance maintenant. Mais c'est important. Pour moi, ce n'est pas la même chose d'être la fille d'un toxicomane qui m'a acheté à la rue ou d'une femme que je ne connais pas qui a une mauvaise vie. Pour moi, ce n'est pas la même chose. D'accord, eh bien. Ben maintenant, toutes ces choses sont parties du passé. C'est tout? S'il te plaît, dis-moi qui est ma mère. Je ne sais pas, c'est tout. Dis-moi qui est ma maman, j'ai besoin de savoir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais que tu as peur, Pilar. Oui, mais ce monde appartient aux braves, n'est-ce pas? Oui. Et si ce n'est pas nous qui aidons les plus faibles, ça ne changera jamais. Je suis la seule débile ici, c'est moi qui me retrouverai sans travail si je t'écoute et prends tes lettres en cachette. Non, 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 Macarena, oublie ça. Ça ne me concerne pas. Oh non, la vérité, c'est que je ne voulais pas te faire peur, mais tu sais quoi? Tu vas quand même perdre ton emploi au travail, parce que je vais chercher ces papiers avec ou sans ton aide. Et ils vont enquêter sur Bererano, et ils vont fermer les bureaux, et tu vas te retrouver au chômage. Hé, Macarena, je suis désolée de te dire ça, mais tu n'as pas autre chose à faire pour t'occuper dans la vie? Tu m'as dit que tu étais malade. Peu importe ce que fait Bererano, laisse tomber. Attends, comment ça laisse tomber? C'est moi qui bientôt se retrouvera au paradis devant Dieu. Et qu'est-ce que je lui dirai, hein? Hé, Dieu, j'aurais presque pu faire quelque chose pour ce monde, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais occupée à être tellement égoïste comme certains. Ah, Macarena, j'ai peur. Oh non, Pilar, je sais, mais vraiment, je te jure, d'accord? Je te promets que je vais t'aider à trouver du travail, je te le jure. Mais aide-moi, d'accord? Vraiment, s'il te plaît, aide-moi. Je vais t'aider, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah mon Dieu. Écoute, je dois éviter qu'Alejandro parte pour le Mexique pour cet argent. Et d'ailleurs, je ne veux pas que cette femme étrange arrive ici et qu'elle finisse par être le sauveur de la situation. Si tu me donnes cet argent, ce sera le meilleur moyen pour moi d'entrer dans la famille Polido. Est-ce que ça ne te semble pas triste d'avoir uniquement ça comme projet de vie? D'essayer d'entrer dans une famille qui n'est même pas la tienne? Enfant, je ne pouvais pas choisir ma famille. Je vais le faire maintenant en tant qu'adulte. Et si tu m'aimes vraiment, Azucena, tu devrais m'aider. Oh, voyons, maman, je te promets que si tu me donnes cet argent, je ne te demanderai plus rien sur ma mère biologique, je te jure. Ou mieux encore demain, et nous pourrons le crier au monde entier que ma maman est revenue de son long voyage, qu'elle fait partie de ma vie. Qu'en penses-tu? Mentiroso no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco
disfruto lo que para otros es normal. Mal normal. Quiero que tú cures mis heridas.